tous et bienvenue à ce nommé David Kadagout numéro 4, votre émission de critique de paroles de chansons. J'ai remarqué que nombre d'entre vous réclamaient des paroles de chansons plutôt nazes et en français, donc j'ai essayé de satisfaire à vos attentes. Vous êtes au courant que on aurait pu avoir une bonne chanson, on aurait pu avoir ça. Je vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténébreux bucolique. On aurait pu aussi avoir ça. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. On aurait pu tout aussi bien avoir ceci. Mais avec vos conneries, on se retrouve avec ça. On va pas épiloguer sur la voix de Christophe Maé, hein, qui est spéciale, hein, qui est spéciale, on va dire ça, on va... Allez, spéciale. Non, il y a des gens qui aiment Christophe Maé. Je suis sûr qu'il y en a. J'ai passé bien trop de temps à vouloir la trouver. Voilà, il a cherché, on imagine qu'il a cherché l'amour de sa vie, qu'il a passé bien trop de temps à vouloir trouver l'amour de sa vie. Bien trop, il est lassé de cette quête. Bon, jusque là, c'est pas électrisant d'originalité. On enchaîne. Elle est arrivée comme une enfant, plus la peine de la chercher. Elle est arrivée comme une enfant, ça c'est bien, c'est les comparaisons qui ne sont pas expliquées. Par exemple, je peux dire, Christophe Maé écrit comme un gruyère. Voilà. J'ai passé bien trop de temps. Utilisation du passé composé, donc action terminée dans le passé qui a un lien avec le présent. J'ai passé bien trop de temps, donc c'est fini. À vouloir la trouver, elle est arrivée comme une enfant, donc c'est bon, ça y est, c'est fait, on a compris. Mais vu que le public de Christophe Maé est un peu crétin, il faut y aller, quoi. Elle est arrivée comme une enfant. Plus la peine de la chercher, toi comprendre, voilà. Là, c'est lui qui se fout de la gueule de son public, hein. Là, c'est pas moi, j'ai rien dit. On enchaîne. Madame et ses belles phrases se font désirer. Madame et ses belles phrases se font désirer. Madame se fait désirer, c'est ses belles phrases que j'ai du mal à... Peut-être un lien avec le titre, la rumeur, madame et ses belles phrases. Peut-être qu'elle parle bien. Bon ben voilà quoi, la dame se fait désirer, on va pas se faire chier à analyser un texte qui se comprend tout seul, hein. Voilà. Oui, je sais, c'est creux, oui, je sais. Et mon cœur lui est abîmé, à l'idée de ne pas la toucher. Et mon cœur lui est abîmé. Bon, d'accord. Oh, le cœur pour désigner l'amour, c'est pas non plus la première originalité, mais d'accord. Mon cœur est abîmé à l'idée de ne pas la toucher. Là, peut-être qu'on y voit parce que il joue sur le double sens de toucher, qui serait à la fois le sens premier, donc à l'idée de ne pas la toucher, et l'idée de ne pas la toucher émotionnellement. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, c'est bien. Infidèle, oui, alors là, pareil, Christophe Maé, il y a des fois, comme ça, on est pris par certaines pulsions, du coup, ça fait qu'on finit pas nos phrases. Infidèle ! Envie ! Non, mais là, on peut, allez, pas de mauvaise foi, peut-être que c'est le romantisme qui l'empêche de construire ses phrases, ou peut-être qu'il sait pas écrire. Infidèle, et après, nous avons un contexte, c'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Mon cœur lui est abîmé à l'idée de ne pas la toucher. On devine que il n'a pas encore conquis le cœur de sa belle. Donc on peut se dire ma lune de miel est là au sens métaphorique. Mais alors à ce moment-là, de quelle nuit est-il en train de parler? Peut-être la nuit où il l'a vue pour la première fois. Ce serait une chanson sur le premier contact à ce moment-là. Envie d'elle. Voilà, il la voit. Oh, envie d'elle. Oh, c'est ma plus belle nuit. Ma lune de miel, parce que la lune de miel, bon, c'est la nuit de l'amour. Ça fait toujours qu'un point, mais bon, c'est pas grave. J'essaie d'être généreux en points parce que ce serait con qu'ils se retrouvent avec autant de colonnes réelles parce que c'est quand même mieux écrit, mais bon, les points, faut les trouver, quoi. Ma femme, je ferai d'elle. Donc il a deux grands projets pour cette femme qu'il vient de voir, si j'interprète correctement les paroles.
Ma femme, je ferai d'elle, oui, bah oui, ça, ça arrive, vous voyez. Il y a des fois, on est en galère de rime, donc on inverse les mots pour que fan rime avec miel, il faut... S'il avait cherché une rime en « et », il aurait fait « envie d'elle, ma femme d'elle, je ferai ». Alors oui, je laisse courir la rumeur, pour ne pas tomber, j'ouvre mon cœur. On sait pas trop de quelle rumeur il parle, ça aurait été bien de l'introduire avant et l'introduire après, dans le deuxième couplet. C'est un peu tard. Pour ne pas tomber. Là, c'est sûrement au sens métaphorique du terme. Imaginons Christophe Maé ne laisse pas courir la rumeur, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est spécial, pour ne pas tomber, on sait pas trop d'où est-ce qu'il tombe, on sait pas trop pourquoi il tombe, on sait pas trop... On sait pas grand-chose, en fait, hein. J'ouvre mon cœur, ça doit faire très très mal. Ok, on enchaîne. Ah, je laisse mourir ta rumeur. Pour ne pas sombrer, j'attends mon heure. Alors oui, je laisse mourir la rumeur. Là, on a quelque chose d'intéressant. On a parlé entre courir et mourir. C'est vrai que généralement, les rumeurs, si on les alimente, c'est comme ça qu'elles survivent. Donc on a un parallèle intéressant entre deux mots qui se ressemblent énormément. Courir et mourir, c'est vrai que quand on laisse courir la rumeur, elle meurt. Ça vaut bien quelques points. Quand je sens que j'ai pas en trouvé beaucoup, je mets 3. Pas sûr que ça les mérite, mais je mets 3. J'attends mon heure. Elle s'inscrit dans une sorte de passivité qu'il n'avait pas au début de la chanson. J'ai passé bien trop de temps à vouloir la trouver. Ça veut dire, au départ, il s'inscrit dans un processus actif, il cherche son grand amour, ensuite, j'attends mon heure, il se laisse faire. Ce qui est bizarre, c'est qu'il attend son heure, il attend peut-être son heure avec la personne qu'il vient de trouver. C'est ça la chose. Il attend son heure avec la dulcinée qu'il vient de rencontrer. Voilà. On dit d'elle qu'elle est heureuse, mais certainement pas comblée. On dit d'elle qu'elle est heureuse, mais certainement pas comblée. Bon, voilà, à mon avis, là, il commence à introduire la rumeur. La rumeur en question qui dit que donc, madame est une chieuse. Qu'elle serait un peu trop capricieuse, un cadeau empoisonné. Qu'elle serait un peu trop capricieuse, un cadeau empoisonné. Là, j'ai envie de dire, quelle femme n'est pas un peu trop capricieuse, un cadeau empoisonné? Oh bah merci. Non mais, pas toi chérie. Oui, bien sûr. Je t'aime. Ouais, c'est ça. Je n'entends rien de la voix belle, Maria c'est copine. Alors, je n'entends rien, c'est triste, il est sourd, non, je... Allez, stop la mauvaise voix. Je n'entends rien, bon, il n'entend rien à la rumeur, évidemment. Je la vois belle, là, il a peut-être une jolie figure de construction. Je la vois belle, ma vie à ses côtés. Évidemment, je la vois belle, on se doute, on pense qu'il parle de la fille en question. Mais après, il rajoute ma vie à ses côtés, ça veut dire qu'il ferme pas sa gueule, malheureusement. Il tourne le dos à la rumeur. Oh c'est joli. Donc ça mérite un petit point, je pense. Je n'y peux rien, je suis fou d'elle, je veux la prendre en paradisie. D'accord, si tu peux rien, c'est comme ça. Pas grand chose à dire sur cette phrase. Je veux la prendre, non pas la laisser. Là encore, on retrouve la théorie comme quoi les fans de Christophe Maé sont des abrutis finis. Je veux la prendre, non pas la laisser, qui est l'inverse de prendre, vois-tu. Entre parenthèses, je veux la prendre, c'est très romantique, c'est merveilleux. Je veux la prendre, envie d'elle, je veux la prendre. Elle est arrivée comme une enfant, deuxième vers, j'allais dire, non, faut peut-être pas abuser, deuxième ligne, allons nous dire. Tu es un petit peu handicapé, mon ami, ça fait un moment qu'elle est là. Alors, je ne baisserai pas les bras, non. J'imagine qu'il veut dire qu'il n'abandonnera pas sa quête à moitié passive de...
de recherche du grand amour qui était là, mais qui a dû partir sans qu'on le sache, mais qui, voilà. Alors, je ne baisserai pas les bras. Écoutez, solidarité avec Christophe Mahé, hein. Dans mon but, je ne descends pas les bras. On enchaîne. En attendant, je fais les 100 pas, donc bah écoutez, il fait les 100 pas, on est toujours dans la quête passive-active de Christophe Mahé. Bon bah écoutez, solidarité avec Christophe Mahé, hein, sans baisser les bras, nous faisons les 100 pas, et je pense qu'il va falloir enchaîner très très vite, parce que ce n'est pas très confortable, en effet. Et finit par se dire tout bas le refrain, qui change et qui passe à la deuxième personne, puisqu'il se parle à lui-même, ça arrive, moi-même je suis en train de parler à une caméra, donc l'un dans l'autre, je ne peux pas trop me foutre de sa gueule sur ce coup. Il finit par se dire tout bas son refrain, avec la rumeur qui revient et qui finalement n'aura occupé que le deuxième couplet. Putain, c'est chiant d'être Christophe Mahé. Hein. Laisse courir la rumeur, on sait pas trop qu'est-ce qu'il advient de cette rumeur. Qu'est-ce qu'elle a fait là au début, en quoi elle a influencé son choix, est-ce qu'il est avec la dame, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il aurait pu l'être, est-ce que seulement elle est là, est-ce qu'il l'a rencontrée. On a une chanson très 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 obscure, très, je vais pas dire très mal écrite, parce que bon, c'est mignon, quoi, Christophe Mahé, voilà, c'est un chanteur de gonzesse, quoi, voilà. Non, mais pas toi, chérie. Toi, t'es tellement intelligente, on dirait un homme. Merci, c'est gentil. De rien. Nous avons affaire donc à un chanteur, bon. On sent qu'il est méducien, on sent qu'il aime bien ses chansons, mais c'est vraiment mal écrit, c'est vraiment mal construit. Si on s'attarde sur les paroles, c'est pas clair. On sait pas qu'est-ce qu'il veut. On sent que c'est du vent, bon, c'est un vent romantique, mais c'est du vent quand même. Voilà, c'était pour Christophe Mahé. La semaine prochaine, on va se retrouver avec une autre chanson. Cette semaine, vous pouvez vous connecter sur ma page Facebook et en cherchant juste ici dans mes publications récentes, vous allez pouvoir trouver une question qui concerne la note que vous voulez que je donne à la prochaine chanson. Attention, ça veut pas dire que c'est vous qui allez décider la note que je vais mettre à la prochaine chanson, quelle que soit la chanson. Ça veut dire que je vais choisir ma chanson en fonction de la note que vous voulez que je mette. Ça veut dire, vous avez le choix. Soit je choisis une chanson vraiment dégueulasse, soit une chanson plutôt dégueulasse, soit une chanson moyenne, soit une chanson plutôt bonne, soit une chanson très bonne. Et j'aviserai mon choix en fonction de votre décision. C'était dans le thème, ce que t'écoutes. Merci à tous, à la semaine prochaine.